It's Young John, the wicked producer. Beauty mama, you know I like you so. Hello Aladja, ça y est, nous y sommes. Ce sont là des moments de joie que j'aurais voulu célébrer avec vous, mais je resterai en communion, loin des yeux et près du cœur. Pour l'heure, je vous souhaite d'avoir un heureux ménage, une vie de couple épanouie et harmonieuse, que la crainte de Dieu, l'amour et le respect mutuel soient le socle de votre foyer. Heureux ménage, heureux mariage. Des bisous. Hello fan, hello wifey, congratulations. We are sorry we couldn't make it. God will make you happy. Your wedding will be the best. Congrats. Salut Farhan, c'est Mickaël Batuno. Je tenais tout d'abord à te remercier pour tout ce que tu as eu à faire pour moi. Tu étais mon premier coloc à Dakar ici. Tu étais comme un grand frère, on va dire. Quand on m'a dit que tu te mariais, ça m'a pas surpris, mais ça m'a beaucoup fait plaisir. Je me suis dit, ah, il se met déjà à la corde cool. C'est bien ça. Donc, j'espère que tu seras sage comme d'habitude déjà. Tout le moins que je peux te souhaiter cet heureux ménage, hein, que tu nous fasses beaucoup de petits frafoumis et qui vont courir partout pour bien te déranger. Et puis voilà, quoi. Allez, profite bien de ta journée et de ta vie de couple et tout. Et à nous revoir, quoi. Ciao, ciao. En tout cas, à voir. Coucou Fumi, Farhan, c'est le grand jour. Je suis désolée, je ne pouvais pas venir, mais je vous accompagne en pensée et en parole. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. Je me rappelle encore quand Farhan venait te chercher à Wakam. Du temps est passé et je suis très contente pour vous. Félicitations et toutes les bénédictions du monde. Gros bisous. Mouah. Would you come for me, yo? Salut Fumi, j'espère que tu vas bien. Je vais commencer par boire à ta santé, parce que tu le mérites. Et puis tu mérites tout ce qui t'arrive. Je vais te dire heureux ménage, bonne fête. Le mec, je ne le connais pas, mais je suppose qu'il a de la chance. C'est pas que je suppose, il a de la chance de t'avoir. Voilà. Et j'aurais aimé être là, mais malheureusement, je ne pouvais pas. En tout cas, je vais faire cette petite vidéo. Profite à fond. Moi, je fête ici déjà. Donc, t'entends la musique. Moi, j'étais déjà en train de m'ambiancer sur ça. Donc, j'espère que vous fêtez comme il faut là-bas. T'inquiète, quand je vais descendre, on va se voir. J'espère le rencontrer aussi. Et lui donner des recommandations fermes. Parce que sinon, il n'a pas encore eu mes recommandations à moi. Mais déjà, chapeau à lui parce que je t'ai connu. Excuse-moi, mais un peu comme ça. Là, actuellement, t'es comme ça. Donc, voilà. Si tu as pu prendre du volume, c'est qu'il fait du bon boulot. Donc, on peut que l'encourager dans ce sens. Allez, porte-toi bien, bonne fête et peace out. Ciao. Farhan et Fumi, toutes mes félicitations pour votre mariage. Heureux mariage, monsieur et madame Yesufu. Ouais, frangin, ça fait 2 semaines que je suis en train de chercher à faire un truc assez stupide, comme tu les aimes, mais bon, pour une fois, ça ne sort pas, donc je pense que je vais faire dans le classique pour une fois, comme ça, tu te maries, et je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui, sauf que je suis très content pour toi et pour ma famille d'amour. Et je tiens à préciser que je n'ai toujours pas abandonné. Un de ces jours, si tu viens que tu vois que quelqu'un t'a ligoté dans ta maison et que Fumi n'est plus là, ça peut étonner. C'est moi. J'avoue mon crime déjà. Mais enfin bref, j'espère que d'ici là, avant que je vienne te l'arracher, tu vas bien t'occuper d'elle. Parce que je sais qu'elle, elle va bien s'occuper de toi. Oui, homme de peu de foi. Et que tout ira bien, je le sais. Mais ce qui est sûr pour ce jour spécial, pour ce jour de fête, pour ce jour de réjouissance, je voulais vous dire à tous les deux toutes mes félicitations. Et encore une fois que je suis vraiment très content pour toi parce que tu es mon frère d'une autre mère. On a vécu plein de choses ensemble, on a partagé beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on a faites, qu'on s'est dites, que personne d'autre que nous deux ne peut comprendre. Enfin, qu'on ne peut même pas dire à quelqu'un. Je sais que
Tu sais de quoi je parle, mais vraiment je suis très content pour toi parce que tu es un pote, tu es un frère, tu es quelqu'un de disponible, tu es quelqu'un de gentil, tu es quelqu'un de vrai, d'honnête. C'est tout ça qui me plaît chez toi. Quand tu aimes quelqu'un, on le sait, quand tu n'aimes pas, on le sait. Et je veux dire, c'est pas un hasard si dans la classe en LPTCF3 spécial, on s'est assis l'un à côté de l'autre au départ et que cette amitié a pu naître. Je pense que c'était d'un plan et moi je suis très content de t'avoir dans ma vie, de te compter parmi mes amis, de te compter parmi mes frères. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur. Et que tu fasses de gros enfants, bien joufflus, bien potelés. Évidemment, le premier doit s'appeler Zier, toi-même tu sais. Sinon, je peux te harceler. Et j'espère vraiment que tout va se passer bien. Encore une fois, profite bien de ton jour. Félicitations à toi, félicitations à Fumi, félicitations à la famille. Et puis prépare-toi parce que je viens bientôt la kidnapper. Désolée mon bébé de ne pas assister à ton mariage, mais tu sais que je te souhaite le meilleur. Passez une journée inoubliable, Farhan et toi et beaucoup. Bonsoir Farhan et Fumi. Félicitations pour votre mariage. En tout cas, je suis heureuse que votre union se concrétise. Que Dieu vous soutienne dans votre relation, qu'il mette la main sur vous. Farhan, faut bien prendre soin de Fumi. Toi-même, tu connais. Fumi aussi, il faut bien prendre soin de Farhan. Parce que toi-même, tu sais qu'il a beaucoup de soutien derrière lui. En tout cas, aimez-vous. Ayez beaucoup d'enfants. Soutenez-vous. Dans toutes les épreuves, soyez toujours ensemble. Parlez beaucoup. Écoutez-vous. Que Dieu vous soutienne. Et puis, bisous, bisous. Fumi, n'ai pas oublié mon escargot que tu me dois là. Bientôt, il va arriver au Bénin là-bas pour réclamer mon escargot. Bisous, bisous. Heureux mariage Soufoumi et Soufou. J'aurais bien voulu être là, vous savez, jusqu'à la dernière minute, je pensais y être. Voilà, mais Dieu en a décidé autrement. En tout cas, je suis contente que vous soyez mariés. Soufou, prends soin de Fumi, parce que nous tous on sait que tu as eu la meilleure des femmes. La meilleure des femmes, la meilleure des femmes. Donc, on vous attend ici à Dakar. On va se rattraper à un de vos anniversaires de mariage. Sinon, pour le moment, amusez-vous bien. J'aurais bien voulu être là pour danser. En tout cas, gros bisous à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Et puis que Dieu vous bénisse abondamment. Et que plus jamais personne ne puisse vous séparer. Et que Dieu se agisse dans votre couple. Et voilà, gros bisous, on vous attend les nouveaux mariés et que Dieu vous bénisse. On vous a envoyé la bonne nouvelle. Nous sommes très contentes pour toi. Moi, je suis très contente pour toi. On est tous contents pour toi. On te souhaite le meilleur. Oui, on te souhaite tout le bonheur. Tout le bonheur. Un heureux ménage. Un heureux ménage. Oui. Une longue vie. Je pense qu'un enfant portera le nom de Fatima. Et j'espère que tu vas bien, ainsi que ta famille. Et une longue vie à vous. Et tu nous manques aussi. Oui, beaucoup. Ainsi que tes petits plats. Mais trop pimentés. Oui. Et là, j'espère que ta maman, le papa, la famille, tout le monde va bien. Ainsi que ta petite amie, ta copine qui m'a contactée et me tient au courant de cette bonne nouvelle, ça m'a fait énormément plaisir. C'est vrai qu'on ne pourra pas participer à ce mariage, mais on aurait voulu être là parmi vous parce que c'est la famille. On a toujours été une belle famille et franchement, Dieu est grand, on ne sait jamais, on se verra. On sera au Bénin. On t'embrasse. Bye. Bye.